bon, mes lucioles, oui, on voit l'autre là derrière. C'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez, j'ai essayé de me teindre les cheveux en violet. Cette fois, j'ai perdu mes petites mèches roses là. Elles sont parties au lavage. Il y a des petits restes. Mais sinon, j'ai essayé de les teindre en violet. Je vais vous retourner la cam, vous allez mieux voir. Voilà, ça fait du violet comme ça. Et en fait, ça se voit que dalle. Même là, vous le voyez pas du tout en fait. Donc bon, un peu déçu, je l'ai refait deux fois hier même parce que je pensais que ça allait pas partir au lavage, je les ai lavés par-dessus et c'est parti. Du coup, je les ai refaits là et on voit rien. Enfin bref, aujourd'hui, il y a enfin du soleil, donc trop contente. On va aller faire des courses là parce que moi, je pars demain à Miami et quand je vais rentrer, il y aura plus rien. Donc j'aime bien avoir des trucs un peu dans le frigo quand je rentre, genre en mode un peu, enfin quelques boissons, du café, des trucs vite fait comme ça. Donc voilà, donc du coup... on va aller chercher ça et après on va faire quelques photos parce que là on s'est dit bon ça peut être cool, il fait beau, on va profiter, on va emmener les appareils photo. Et cet après-midi on a rendez-vous avec un pote pour aller prendre un café, donc ça va être trop bien. On va aller prendre un petit coffee et tout, on va shooter là-bas et ce soir ben on a un truc d'empanadas à côté de chez nous. Comme ça va nous permettre de rentrer tôt parce que moi mon avion demain il est à 6h45. Je pense que je vais me lever super méga tôt, ça va être compliqué. Parce que là en ce moment j'ai un peu pris des aises le matin. Enfin je me lève tôt mais c'est juste que il y a pas de pression le matin en ce moment. Et j'avoue que ça va être un peu chaud. Bon on verra bien. Enfin voilà, j'ai très très hâte d'aller à Miami parce que, enfin je vais d'abord à Orlando faire les parcs, mais je vous emmènerai avec moi. J'ai très très hâte parce que il va faire beau. Et là j'ai regardé la météo, il fait 30 degrés demain, sachant qu'ici il fait 9. Donc voilà, bon, on va aller faire les courses. Elle est déjà prête avec son petit tote bag. Donc, j'y go aussi. Le débardeur, clairement j'ai vu 30 degrés à l'extérieur, je me suis dit peut-être pas rester en jogging ou quoi. Et en fait je n'arrive pas à me connecter au wifi de l'aéroport, donc depuis là je me promène parce que les boutiques Disney étaient un peu incroyables dans un aéroport. Bref, mais donc du coup j'ai toujours pas internet, donc j'aurais bien aimé vu que j'ai une heure d'attente. Enfin bref, mais regardez-moi cette photo du truc géant et au milieu là. Là-bas derrière, je vous montrerai tout à l'heure. Je prendrai une petite vidéo pour le vlog. C'est des palmiers et une fontaine en plein milieu. Genre, c'est ouf. Bref, donc voilà, c'était pour vous faire un petit coucou et vous dire que j'étais bien arrivée. Et puis après, normalement, on va aller visiter le centre-ville. On a une petite collab le midi dans un resto là que je dois shooter. Et puis après, on est tout. Hello. Et ouais, je vous ai ramené une petite pote là dans le vlog que vous avez déjà vu normalement. Votre favorite guest star. Donc là, on est enfin dans le Uber et on va aller à notre hôtel sur Orlando à côté des parcs. On a été manger des petits baos, c'était sympa. Donc c'était très bon, j'ai bien aimé. Ouais. Je pense que c'était très bon. Au soleil et tout, enfin, là on était très très bien. Et par contre, on a essayé de visiter Orlando, il n'y avait rien à faire. Vraiment, genre. C'est genre la vibe Marnel Valley, un cheveu plus gros, oui. Mais faut pas déconner non plus. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de boutique, c'est beau parce que c'est au soleil, il y a des palmiers, c'est propre, c'est grand. C'est un peu vibe. C'est Mimi quoi, la vibe c'est Mimi. Genre Disney Village un peu. Il n'y a vraiment rien à faire. Oui, il n'y a pas grand chose. Donc bon, on s'est dit, on a une piscine, on va aller à la piscine de notre hôtel. Histoire de se poser et tout. Elle va nous gonfler la bonne bouée. Oh, est-ce que t'es contente de gonfler la bouée? Non. Vous voyez déjà sa gueule qu'elle est pas.
J'ai hâte. Enfin bon, voilà, là on est dans le petit Uber. Elle est très tard la voiture. Et on vous reprend après arriver à la piscine. Hey, on se retrouve actuellement dans le lit king size à l'hôtel. On a fait quoi, ma Babatou, tout cet après-midi? On a fait la piscine, on a été déjeuner. Oui, on avait déjà été déjeuner. Ouais, on a été piscine. Après, on a été chillé toute l'après-midi. C'était cool. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été faire les boutiques autour. Ouais, c'était genre les espèces de petites boutiques souvenirs. Ouais, pas mal. Voilà, et après on a été manger au IHOP. Ça, trop trop bon. Vous savez, c'est le restaurant de petit déjeuner et brunch, genre en mode spécialisé dans les pancakes. Et il y en a un peu partout dans les zones, mais c'est rare de les trouver genre en plein centre-ville. C'est plutôt les zones. À chaque fois, nous on prend la voiture Uber pour aller au IHOP. Genre, c'est un truc de ouf. Donc voilà, et là en face de l'hôtel, le bail, genre on était à pied. Genre, on a pu marcher. Ouais. Pour y aller. Gasp. C'est ça. Donc on s'est dit ok. Et bref, et c'était hyper bon. Petit avocat de toast et tout, des œufs, des petits pancakes. Voilà. Super. Mmh. Et puis là on s'est posé à l'hôtel, on s'est mis en pige. Ouais. Après notre douche et tout, qui est pas très chaude. Mais l'eau est un petit peu froide. Ah. Ça va, heureusement qu'il fait chaud dehors. Mais ouais, comme il fait chaud, c'est bon. Et on attend notre autre bat, sauf que. Elle est coincée. Elle est coincée à Miami pour l'instant. Elle a eu tout un périple. Normalement, elle était sur cette là à 17h. Ouais. Il est 22h. Elle n'est toujours pas là. Elle est à Miami. Donc, on est un peu au bout de notre vie parce qu'on se dit putain. Enfin, on va. On a normalement littéralement des vacances de prévues à 3 et on doit faire normalement ces vacances là. Et à chaque fois, ça bug. Il y a tout le temps un truc. Donc là, on espère. En plus, elle nous a dit qu'elle allait peut-être pas avoir sa valise. Donc, ça, c'était un peu la galère. Donc, si elle a pas sa valise, là, par contre, voilà. Donc, bah, on attend. On espère au moins qu'elle va pouvoir venir. On espère qu'elle aura sa valise ou peut-être demain. On vous en dira plus. Nous, demain matin, on a une navette pour le Disney à 8h30. Donc de toute façon on va l'attendre là comme on peut, elle va nous tenir au courant, puis bon, on va se coucher comme on peut aussi. Et voilà, et puis ça va être la surprise comme à chaque fois qu'on voyage à 3, de toute façon il y a des galères. Il y a toujours un problème quand on voyage à 3. Et on peut pas faire un voyage à 3 sans problème. Tranquille. Mais c'est ça. Ça n'existe pas avec nous. Donc bah voilà. Donc on attend, on prie et on espère qu'elle va arriver très vite. Exactement. Parce qu'elle nous manque très fort. Oui. Vraiment. Bref, on va vous laisser, puis on vous racontera tout ça. De toute façon, vous serez les premiers à savoir parce qu'on va se plaindre. Hey, c'est pas si c'est bien. J'aime bien se plaindre. Voilà, donc du coup, vous allez tout savoir normalement. On vous fait des bisous. Hello. Bonjour. On est aujourd'hui à Magic Kingdom. C'est le Disney d'Orlando, enfin c'est Disney World quoi, à Orlando. Regardez les petits trucs de Disney derrière. Et on a retrouvé notre bat hier soir, hein. Oui, on s'est levé à 4h du mat, on a passé une nuit un peu chaotique, je dirais. Non, en vrai, enfin, du coup, ça va. Ça va, en vrai, ça va. J'ai trop dormi. Mais elle s'est fait déjà arrêter au sac, donc en fait, on l'a déjà perdu. Mais voilà. On la retrouve bientôt. Mais moi, je veux un instant pour mon t-shirt. Attends. Elle a quand même mis le petit t-shirt. J'ai un t-shirt Troy Bolton. I love Troy Bolton. C'est littéralement mon t-shirt préféré. C'est une nuit qui est merveilleux. Voilà. Il est pas mal. Elle a les oreilles. Regardez, elle a mis les oreilles qu'elle a achetées hier soir. Moi, je vais acheter les miennes là. J'ai trop hâte d'acheter les miennes. J'ai mis petite tenue en mode noir. Short en lin noir, petit débardeur comme as. On a pris les bananes, moi j'ai pris ma banane Roland Garros. Ah. Et là t'as pris ton petit sac Prada. On connaît bien, on a rempli les gourdes et tout. Vous connaissez les journées à Disney? Ah ça y est, elle s'est fait fouiller, regardez. Elle est là-bas. Voili voilou, et puis on va aller prendre le petit bateau pour aller à Magic Kingdom.
Mélissiole, je vous retrouve. On a fait tellement de trucs. Là, ce matin, j'ai acheté des petites oreilles. Je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, là, on est. On n'arrête pas de changer de lunettes parce que vous savez, quand vous êtes bigleux comme nous, il y a des lunettes de vue et de soleil et de normal. Et du coup, dans les attractions, quand il fait noir, on change de lunettes. C'est quoi cette lumière qu'on a? Je sais pas, c'est trop bizarre. Dire qu'il y a un genre de filtre. Ok, donc là, on est dans la queue de It's a Small World et on va faire la petite attraction parce que là, il fait bien frais. Wallou. Et il fait chaud par contre, hein, aujourd'hui, il fait genre 30 degrés. J'en ai vu super chaud, genre, ouais. Je suis un peu roulée avec la chaleur. Ouais, ouais, surtout qu'on a attendu la parade, enfin qu'on a regardé la parade sous la chaleur, ça c'était un peu chaud. Et on n'arrête pas de vider cette gourde, mais elle est pas hyper fraîche. Ouais, mais elle est bien utile. Mais elle est utile, franchement ouais, elle est utile. Donc voilà, et on a fait beaucoup d'attractions, et par contre les temps d'attente ici, ils sont rien du tout comparés à Disneyland Paris, vraiment. Vous n'avez pratiquement aucun temps d'attente. Enfin, les plus grands qu'on ait fait, c'est genre 40 minutes. Et en vrai, ça va, 40 minutes pour des temps d'attente Disney. Ouais, c'est parce que j'arrive, je fais mon intervention. Parce que là, aux États-Unis, c'est la période des examens. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas tant que ça d'Américains, c'est plus des touristes, quoi. Des touristes. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de temps de trucs. Parce que vous venez en plein, je sais pas moi, mois d'avril à Disneyland en pleine semaine. Je suis pas sûre que vous ayez beaucoup de queues non plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je trouve que c'est iconique quand même. Ouais, franchement, ça va pour tout ce qu'on fait. On n'a pas fait tant de queues, je trouve. Oui, non, ça va. Donc bon, on est plutôt contente. Et la plus grosse queue, c'est les 7 nains. Ouais, mais c'est l'attraction la plus iconique d'ici. Plus d'une heure de queue. On va voir. On s'est mis dans une queue virtuelle ici. C'est trop bien. Oui, pour Tron, j'avais jamais vu ça. C'est intéressant. Ouais, mais par contre, ça fait genre depuis une heure de l'après-midi qu'on est dedans. Et là, il est genre. Il est quelle heure actuellement? Il est 16h. Donc en fait, ça fait quand même longtemps qu'on est dedans et ça n'avance pas. Bon. Mais au moins, on fait des trucs en attendant. On n'est pas planté dans notre queue à attendre. Ouais. Bon, tant mieux. On voit. Et puis, de toute façon, on va se prendre, je pense, un petit goûter pour aller à la. Bah, aller là-bas, justement. Donc, bénef, on va faire notre petite attraction. On vous retrouve après. Hello! Bonjour! On est actuellement dans le Uber pour aller à Universal Studios. Oui, c'est le jour 2 à Orlando. Voilà, c'est ça. C'est jour 2 à Orlando. On enchaîne deux parcs. En vrai, ça fait beaucoup, je me disais quand même. Enfin, beaucoup. On l'a déjà fait avant. Mais c'est vrai que c'est physique de se dire qu'on fait pendant deux jours deux parcs parce que c'est des gros journées quand même. Mais j'aime bien la vibes et tout. Donc voilà, il va faire encore très chaud aujourd'hui. Donc on est prête, on a changé de petite tenue. T'as mis quoi? T'as mis un petit haut. Petit débardeur. Blanc et aussi. Pantalon bleu. Et moi, un petit short noir. Voilà. On n'a pas les oreilles aujourd'hui parce que c'est pas Disney tout simplement. Non.
Donc ça aussi, ça va faire du bien aussi de pas trop avoir les oreilles, parce que vous savez, c'est quand même assez lourd, les oreilles. Elle est vraie. Elle est vraie. Si t'achètes des copies comme les miennes, lol. En vrai, ça va, ouais. Ça allait carrément. Et à la limite, je pense que je préfère du coup porter les fausses. Ouais, les dupes. Parce que ça m'a pas du tout fait chier hier. Ouais. Alors que d'habitude, ça me donne toujours mal à la tête et trucs comme ça. Alors que là, hier, ouais, ça allait. Tranquille. Quoi. Donc, bah, en vrai, tant mieux. Et puis, là, on a quoi ? Demi-heure, un quart d'heure de route, mais là il y a des bouchons, ça va un peu bouchonner. Ouais. Mais c'est toute la journée, par contre il ferme beaucoup plus tôt. Donc pas de spectacle ce soir, on a juste, il ferme à 19h. Ouais. On a la navette à 18h45. Donc on va rentrer beaucoup plus tôt et on mangera plutôt à l'hôtel, quoi. Oui. Autour de l'hôtel, parce que on va prendre la navette pour rentrer. Donc voilà, hâte de vous montrer tout ça. Hein. Moi j'ai jamais fait, toi t'as déjà fait. Oui, ça va être ma troisième fois à Universal. Et la. Non, quatrième fois à Universal, mais la deuxième fois à Orlando. Ouais, donc. Et j'ai hâte parce que la dernière fois, genre la moitié d'après-midi, il a draché comme pas possible. Ouais. Alors draché si vous n'êtes pas du Nord. C'est ça, draché si vous n'êtes pas du Nord. C'est beaucoup plus voir. Voilà, c'est des grosses pluies. Du coup. Ben, je suis contente de pouvoir re-expérimenter ça. Et après aussi, je suis contente parce que le monde d'Harry Potter, comment dire que mon père et ma sœur ne sont pas très fans d'Harry Potter. Ou, je veux dire, mon père n'aime pas Harry Potter, et ma sœur n'aimait pas Harry Potter à ce moment-là. Maintenant, elle adore, donc bon. Et donc, je suis contente de pouvoir faire le monde d'Harry Potter avec des gens qui vont être contents d'être là et pas faire bon, la suite, c'est bon, on va ailleurs, quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà. En vrai, c'est pas mal. Moi, je dis, j'ai grave envie de voir tout bien les petits mondes et tous ces trucs qui changent Disney. C'est vrai que les parcs sont un peu les mêmes partout. Enfin, c'est pas les mêmes, c'est que ça ressemble beaucoup. Après, c'est cool, mais ça ressemble. Là, c'est une nouvelle vibe. Oui. Bah oui, tu vas voir, c'est différent. Mais moi, je crois que je préfère Universal à Disney. Juste ouais. Parce que les mondes sont bien plus différents. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'expliquais la dernière fois à Lucie. Parce que. À Disney, même si t'as des mondes différents, ça reste très la vibe cartoonesque, on va dire. Ouais. Genre très dessin animé, tout ça. Mm. Alors que Universal, t'as le monde Harry Potter, le monde juste après c'est Simpson, et puis le monde d'à côté c'est genre. T'as quoi d'autre? T'as. Ah, c'est quoi la truc de voiture là? La truc de voiture. Bref, avec. Avec The Rock et tout. J'allais dire Cars, mais non. Mais non, pas Cars. Mais c'est des films d'action et tout ça. Ouais. Après, il y a un endroit, c'est E.T. et tout. Enfin, Fast and Furious. Ouais. Merci. On a une petite voix là qui nous cite nos réponses. Donc, il y a un monde Fast and Furious, il y a un monde E.T. Enfin, ouais. Ça change beaucoup plus. Il y a un monde des Minions. Ah, ça, c'est bien. Ça change beaucoup plus de. Enfin, les mondes sont complètement. Sont beaucoup plus différents que. Et voilà, c'est ça. Donc, hâte de vous vlogger tout ça et de vous montrer tout ça. On vous retrouve, on est un peu secoué, comme on pourrait dire. On vient de faire un roller coaster dans les airs, mais le truc, déjà, il tenait que le ventre, c'était hyper chelou. Et en plus de ça, il était dehors, il y avait des loopings, mais la montée. La montée était genre comme était ça. Comme ça. Elle était à 90 degrés, mais quand je dis comme ça, c'est comme ça. C'est, on dirait pas, des fois, vous avez des pentes, vous savez, un peu genre comme ça, et genre. Vous êtes quand même bien en arrière, mais là, quand c'est la montée comme ça, t'es en arrière, mais genre, limite, t'as la tête à l'envers déjà dès la montée. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est impressionnant, on va dire. C'est hyper impressionnant. Et après, vous pouvez choisir notre petite musique. Ça, j'ai kiffé. Petit cadran. Ouais. Une petite mini iPad ou genre un iPod un peu.
Ouais. Il t'avait genre différents types de musique que tu choisissais. Moi j'ai pris rap US, pop. Ouais. Et c'était bien parce que vous entendez la petite musique pendant les loopings et on était là, oh my god, oh non. C'était hyper drôle. Et à la fin vous avez une petite vidéo et par contre ça décoiffe là, c'est un peu coiffé, mais par contre ça décoiffe quand même vachement. Et il y a une petite vidéo vers la fin pour bah, un peu voir le parcours quoi. Et grave drôle la vidéo, elle est hyper drôle. On l'a prise là, enfin on vous la mettra sur les réseaux sûrement. Super. Ouais. La vidéo est très drôle, pépite. Elle est, ouais, c'est une pépite. En plus, du coup, je perds mon haut et mon soutif. Elle a tout perdu. La photo de la fin, il y a une photo à la fin où elle a tout perdu. Genre, littéralement, la meuf, elle a plus rien sur elle. Les gens étaient très à ce moment-là. Ça, c'est quand même très très drôle. Alors qu'elle me dit quand même, ça, tu t'es bien tenu à remonter. Je lui dis, oui, t'inquiète. Mais je lui regarde, je lui dis, t'es sûr, c'est bien tenu, elle me dit, c'est bien tenu. Ah non, d'habitude ça tient bien, mais apparemment là, c'est pas assez. Donc voilà, on se pose un peu au café. Enfin, on a rien pris, mais genre on est posé au café parce que la zone s'est posée. C'est ça. C'est un peu chaud et tout. Et cet après-midi, enfin là après, on va aller faire d'autres mondes, d'autres attractions. En vrai, ici elles sont cool les attractions. Ils gèrent hyper bien la 4D. Il y a plein de trucs en 4D et c'est hyper bien géré, ça donne des sensations de ouf. Je crois qu'on a fait quoi, 3 ou 4D? Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait 200 en fait. Jimmy Fallon, Simpson et Transformers. Ouais, et on a fait E.T. c'était pas de la 4D E.T. mais c'était vraiment bien. C'était pas de la 4D et on a fait les Minions qui étaient de la 4D. Ouais, avec un pistolet et tout. Oh les Minions, c'est trop bien. Les Minions, ah oui, attends, pardon. Ouais, vas-y, on va parler des Minions. Les Minions, ce que j'ai vu ici, il y a quoi, 4 ans? Ouais. Un truc comme ça. Non, 5 ans. Il y a 5 ans. Ouais. Et ça a déjà grave changé. Ouais, alors, il change beaucoup ici. Parce qu'avant, il y avait une attraction Shrek, j'ai vu qu'elle avait fermé, et ils l'ont remplacé par une attraction avec les Minions. Et c'est genre un peu comme Buzz l'éclair à Disney, si vous connaissez, vous tirez sur une cible et tout ça. Ouais, sauf ça. Que vous n'êtes pas dans un petit bateau, enfin, pas bateau, mais genre... Wagon. Et là, en fait, vous êtes sur un tapis roulant. Vous êtes debout, vous êtes vous-même quoi, y a pas d'attache ni rien. Et c'est trop marrant, et t'as aussi des écrans partout ça. Et tu dois tourner avec ton bazooka là, pour essayer de tirer sur les cibles. Parce que du coup t'as une espèce de géant de merde dans la main, et ça. Tu dois te démerder avec ton verre. Franchement c'est pas mal. Donc voilou, et après E.T. grave bien. E.T. c'est trop mignon, vous êtes sur un petit vélo, et vous êtes dans le monde... Vous êtes d'abord dans le vrai monde, et après vous envolez et vous allez genre sur la planète verte, c'est trop stylé. Et on monte un peu au-dessus, il y a des sensations parce que le décor il est super bien fait. Donc voilà, en résumé c'est ça, après c'est beaucoup de trucs, genre les Simpsons, en gros on est dans une voiture et c'est une 4D, la voiture elle bouge. Mais la 4D ici c'est genre pas que des lunettes, hein, c'est vraiment genre tout autour de vous, vous avez des écrans et du coup vous avez vraiment l'impression que la sensation elle est extrême quoi. Moi dans tous les... qu'on a fait, mais ça c'est Transformers. Ouais, Transformers, c'était pas mal. Transformers, c'est celui où il y avait le plus d'action. Ouais, c'est vrai. Il y a de la pluie et tout qui tombe dessus. Enfin, franchement, c'est bien. Voilà, hâte de voir le monde d'Harry Potter, moi. Donc, boire ma petite bière au beurre. Ça va être bon. Je vais aller chez Ollivander. C'est quoi? C'est le magasin de baguettes. Ah. Ça va être bien en vrai. Donc voilà, on vous filmera tout ça tout à l'heure. Je sais pas quelle heure il est actuellement en vrai. Il est 13h36. Donc on a déjà bien entamé la journée. Ici, le parc ferme à 19h le soir et on a une navette à 10h45. Ouais. Après, on a déjà fait pas mal. Ouais. Ouais. Il nous reste pas comme ça de choses. Il nous reste Harry Potter. Il nous reste une des attractions des Minions. Ouais, et un Mignon. Qu'est-ce qu'on a pas fait d'autre encore? C'est tout. Non, Man in Black. Man in Black. Fast and Furious. En vrai, le parc, il est pas énorme. Non. Donc voilà. Il manque juste. C'est quoi? Ah, il a Revenge of the Mummy aussi. Ah oui, mais ça, il y a beaucoup de temps d'attente sur celle-là. Ouais. Ouais, donc il reste Mummy 1, 2, 3, non, c'est bon. 3, 4, 5. Il y aurait 5 à faire. Voilà. Donc on va vous montrer tout ça, mes lucioles. On fait des bisous.
Hello. Bonjour. On se retrouve et on est maintenant à Miami. Et ouais, on vous a quitté hier. La dernière fois qu'on vous a parlé, c'était au parc après notre roller coaster de l'enfer. Oui. Mais là, on est donc rentré hier soir. Tout s'est bien passé. Franchement, on a pris la navette de retour. Voilà, on est un peu claqué. On s'est fait un fast-food à l'hôtel. Et ce matin, on s'est levé super tôt. On s'est levé à 5h du mat parce qu'on avait notre avion tôt le matin, 8h, à l'aéroport d'Orlando. Et on est arrivé ce matin à Miami. Et du coup, là, on vient d'arriver après une heure de car, de voiture. Une heure de voiture. On a été supposé manger parce que j'avais faim, du coup. C'est tout le temps elle qui donne le go pour aller graille. Non, mais. Tout le monde avait envie de graille, là. En général, il n'y a jamais personne qui a faim. Donc, si j'ai envie d'avoir de la nourriture dans mon corps, il faut que j'en pose. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, ça valait le coup parce que là, j'ai vu qu'il y avait un Cheesecake Factory juste à côté et c'est vraiment le truc qu'on fait tout le temps quand on est aux US. Ça faisait hyper longtemps qu'on l'avait pas fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne qui fait genre des cheesecakes à la base, mais plein de trucs, comme des salades, des pâtes. Ils sont connus pour un peu leurs gros plats. Ils ont aussi des menus genre en mode skinny. Ils ont plein de trucs. Je sais pas, c'est connu. Faut connaître Cheesecake Factory. Donc voilà, et l'hôtel est bien. Oui, on a un hôtel trop mimi dans le style art déco, dans le quartier art déco du coup de Miami. Et j'aime trop, c'est grave mon style d'architecture que j'aime, j'adore. Ouais. Et du coup l'hôtel est vraiment trop mimi. On a du petit papier peint avec des petits flamants roses, c'est trop mignon. On a une petite cafetière, on a un coin cuisine, enfin cuisine, on a une bouilloire, un micro-ondes, une cafetière, frigo, congélateur. Petite salle de bain un peu petite, je pense qu'on va un peu galérer à trois minutes. Voilà. Ouais. Et je ne vous ai pas fait le retour, je le ferai tout à l'heure si j'y pense. Puis voilà, on a eu déjà une petite affaire. Oui, la clim, puis... On est arrivé, on avait une flaque dans la chambre d'hôtel, on a fait... Bon, bah ça commence bien, on va peut-être appeler quelqu'un pour aller nous faire réparer la clim. Pas appeler quelqu'un. Il n'y avait pas de téléphone dans la chambre, donc c'est Bibi qui a dû aller à la réception dire il faut faire quelque chose. Il y a de l'eau dans la chambre. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est cool. Et puis après, on va aller se baigner. Parce qu'on a la flemme de sortir, on va faire un truc ou quoi. Juste aller se baigner, se poser à la plage. Elle doit gonfler la boue. On m'adore. Elle en est ravie. J'ai déjà commencé mon périple de gonflage. Ouais. Voilà, on a des petites chopes d'eau fraîche. Et après, on faudrait faire des petites courses aussi. Ouais, on va aller au CVS et 7-Eleven pour faire des courses simples pour nos apéros et tout, vous savez. Voilà, et puis ce soir, ce sera chill encore une fois. Ce sera vraiment tranquille. On fera des petites photos, vidéos. J'essaierai de faire voler le drone. On verra. Ouais. J'espère que tu vas faire des photos, enfin des vidéos qualitatives, ma grande. Iconique. Et je vais nous prendre là, au-dessus, tu vois. Je m'imagine déjà. Enfin bref, on attend que nos plats arrivent. On vous montre tout ça et on fait des bisous. Pas accompagné, mais il y a
y a des compagnies qui ne nous envoient pas les notifs. Voilà, qui ne nous envoient pas les bons messages. Donc on a un peu râlé, ils nous ont refusé aujourd'hui. Mais voilà, mais en fait, on vous a parti depuis Orlando. Mais non. On vous a pas repris depuis Orlando. On vous a pas repris depuis Orlando, c'est une blague. On vous a pas repris depuis Orlando. On est dévoré. On s'excuse forcément. Pardon le vlog. Donc en fait on est, bah, comme vous l'avez dit, on est arrivé à Miami et on a vécu notre life en mode on était au bord de la plage et tout, donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas compris, en vrai il n'y a rien à raconter. Ouais, en vrai tout ce qu'on a vu c'était, si on était à Winnebago, on était à Winnebago. Pour avoir les graffitis, vous savez. Ouais, et après ça a été beaucoup plage et se balader un peu, mais rien ça. De... Qu'est-ce qu'on vous a pris à Cheesecake Factory? Ah oui, on vous a pris au Cheesecake Factory, bah voilà, bah après ça a été plage, bureau, enfin voilà, tout ça. Très chill, enfin c'est cool, c'est vraiment les vacances. Et là aujourd'hui Key West, donc on s'est baladé en ville, tout à l'heure on a été manger une petite kilami pie. Ouais, parce que ça vient d'ici. Voilà. Alors je n'avais aucune idée que ça venait d'ici, mais. Mais voilà, mais c'est ça la vient d'ici. Voilà. C'est une tarte au sucre vert pour ceux qui ne savent pas. Mais donc du coup, grave bon, et puis on a fait un peu de boutique, il y avait un petit marché et tout. On a ramené des petits souvenirs et on tout ça. On a ramené, ouais, voilà, des petits souvenirs. Et là on est sur le bateau. Et on va aller faire du snorkeling. Avec des masques et tout. On va aller se baigner dans la barrière de corail. Ouais, c'est pour voir la barrière de corail, donc on a des masques et tout ça. C'est juste comme ça, hein, vous savez, petite plongée. Et après on a open bar illimité. Pour dire qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des margaritas et des petits ponts. Ça va partir. Il y a 3 heures de bateau. Après on rentre sur Key West pour, parce qu'on a laissé notre autre batte là-bas. Oui, alors la dernière n'est pas là. Elle est pas là parce qu'elle n'aime pas se baigner, donc bon. Voilà. Donc elle est restée. Voilà. On l'a un petit peu abandonnée, mais bon. Donc bon, là on s'est crémé parce que bah quand même hein. C'est pour ça que je suis vachement blanche. Bah, plus même. Blanche que d'habitude. Déjà qu'on ne bronze pas très facilement, nous alors en plus avec la crème, voilà. Mais bon. Moi je voulais pas réitérer mon épisode que j'ai eu aux Philippines dernièrement. Ouais, et moi je me connais, je crame aussi. Beaucoup trop facilement. Donc voilà. Et après, bah, ça va être cool, on va vous montrer, on va essayer de vlogger dans l'eau, enfin vlogger, prendre des vidéos. Parce qu'on a la pochette et tout. Mais on garantit pas la qualité du bail. On verra, on prie. On prie fortement. On vous fait des bisous. Bisous.